Ça va? Bonjour Squeezie, bonne année! Bonne voilà, année! C'est un peu la première vidéo. Voilà, 2015, on vous souhaite plein de bonheur. Plein de bonheur. Et on va commencer avec du très très lourd pour nous. Oui! Hein, un jeu qu'on adore particulièrement sur Hearthstone, c'est l'affrontement. Tout le monde l'attendait. Hein, on peut le dire un petit peu. La revanche de son deck Murloc. C'est avec les nouvelles cartes Goblin versus Gnome. Exactement. Juste là, donc ces nouvelles cartes de Hearthstone sont sorties. Une nouvelle extension, attention. Avec beaucoup de nouvelles cartes, des nouveaux serviteurs et des nouveaux sorts, tout ça. Et nouvelle mécanique de jeu. Mecha, c'est des cartes Mecha aussi. Voilà, exactement. On va faire deux parties. Une première de chauffe et la deuxième qui va déterminer qui est le meilleur. Alors dans les nouveautés là récemment, c'est surtout que c'est arrivé sur tablette Android tout simplement. Fraîchement sorti sur tablette Android. Là, je joue avant c'était que sur iOS, maintenant je joue sur Nvidia Shield. On vous l'a fait gagner d'ailleurs à la fin de la vidéo avec un processus assez bizarre. Vous verrez. Alors si vous connaissez pas trop les règles, on vous invite à regarder la première vidéo, il faut cliquer là. Voilà, tu cliques là. Et c'est pour comprendre un petit peu la mécanique du jeu. Voilà, mais sinon on va quand même essayer de tout vous expliquer. Ça commence très mal pour moi. je préfère le dire. Et en plus je commence. Faut savoir que Hearthstone, quand tu commences, c'est un peu le bad. Premier tour, il y a un mana en bas à droite, donc du coup je peux poser que des serviteurs ou jeter des sorts que de un mana. Exactement. On a chacun 30 points. C'est le prix des cartes. Et le premier à zéro perd. Premier à zéro, donc moi je suis un petit paladin. Je lui dis bonjour quand même, c'est tout correct. Ah bah c'est vrai, et je te dis merci. Et je fais fin de tour parce que je ne peux rien faire. Donc je lui dis bien joué. Et puis je fais fin de tour aussi. Tu fais fin de tour, d'accord. Donc pour l'instant ça commence très très bien. Pour l'instant c'est une grosse game. Avec vraiment ce deck plutôt nul. Et je vais poser une des nouvelles cartes. Je la déteste. C'est une nouvelle catégorie de serviteurs. Bien sûr. Voilà, et ce qui est bien c'est que ça se. C'est pas que ça se booste, mais ça cède en fait. Les mechas cèdent entre elles. D'accord. Voilà. Là je fais un truc parce que je déteste la carte que tu viens de poser. Puisqu'elle te permet ensuite d'enchaîner bien comme il faut. Donc je la note sans plus tarder. Sans expliquer le système de pouvoir héroïque, des sorts. Ah, mais tu veux qu'on réexplique quand même tous les trucs? Ne dis rien, t'as raison. D'accord. Que puis-je faire? Je sais très bien ce que je puis-je faire. Un serviteur de 3. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le ras d'agonie. Quand elle meurt, elle fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle crée un autre serviteur. Et toi, tu viens d'utiliser une carte. Une carte qui me donne un cristal de mana de manière définitive. Voilà. Là, il y a un truc qui est pas mal. Pareil, une des nouvelles cartes s'appelle le technicien de bric-à-broc. Technicien de bric-à-broc. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Et s'il y a déjà un mec à poser, et ben elle a 4 d'attaque et 4 de vie. Ah, et vu que tu avais déjà une carte méca posée. En plus de ça, je vous présente les pièces détachées en bas à droite, une carte finalement, qui peut soit donner provocation, soit donner plus un PV, soit donner plus un attaque, plus un attaque, soit glacé, soit récupérer plein de trucs. Voilà, là par exemple, c'est un PV. Je viens d'utiliser ma pièce détachée. Et ce qui ne m'arrange absolument pas. Je suis pas très fou, Philippe pas fou comme on dit. Mais ça va pas tarder. Donc toi ton pouvoir héroïque c'est bien sûr de donner un d'attaque. Donner un d'armure et un d'attaque. Chaque tour on peut utiliser son pouvoir héroïque. Moi c'est poser un serviteur 1-1. Que puis-je faire? Bah déjà tu puisses me retirer si ton. Oui. Je pose un deuxième mecha qui lui a bouclier divin, c'est-à-dire que la première fois qu'on l'attaque, il ne se passe rien. Un dernier petit mecha. Il n'y en avait pas assez je trouve. Bien sûr les serviteurs ne peuvent pas attaquer au premier tour qu'on les pose. Oui, du coup, il faut qu'ils dorment. Les 3 sont en train de dormir avec petit Z. Pour l'instant, j'ai beaucoup posé, je le connais, il possède un balayage, je connais très bien ses sorts. Le balayage enlève 4 et 1 à tous les autres. Après ça dépend de ce que t'as, mais ça peut être pas mal. Ah, ça c'est la provoque de lui. Je connais par cœur. Voilà, donc le druide c'est marrant parce qu'il a des cartes comme ça qui lui donnent temporairement des fois plus de cristaux de mana. Je suis pas si bien. C'est vrai? Je suis pas si bien. Ah, mec, quand même, hein. Ah non, il y en avait qu'un. C'est pas fou. Voilà, hein, pas mal, hein. c'est vraiment un jeu pour réfléchir comme un gros porc quoi, pendant toute la game. Et bon. Du coup, t'es imbibé du jeu, quoi, tu ne sais plus rien faire d'autre. Et avec une de mes... Oh, c'est beau, il a eu le gel, il peut me gel. Donc effectivement, j'ai détruit 2 de serviteurs. Non mais... Regardez qui voilà. Donc là, tu as fait tout ça pour rien, Cyprien, voilà, on peut le dire. Moi, j'ai récupéré toute la vie. T'en veux, hein? Non, c'est chiant, ça. Ça, c'est très chiant. Alors là, ce qui m'embête, c'est que je sais qu'il a son petit balayage, donc... C'est faux. C'est mal réparti. Sachant que c'est parfaitement vrai. C'est parfaitement faux. Je préfère cligner dans le doute quand même. Et bah cligne dans le doute. Genre y'a pas un balayage. Non. Donc balayage c'est une carte très connue de druide. Elle enlève 4 à un serviteur. Ah, qui tu veux. Oh non. Elle enlève 4 à qui tu veux. Et en plus 1 à tous les autres. Donc on peut l'illustrer dès à présent.
Je laisse le lit. Oh putain, je le déteste, mec. Celui-là, je le déteste. En plus, normalement, en fait, il y a des cartes qui permettent de retirer tous les effets d'un serviteur, de silence, on dit. Explique un peu cette carte. Elle a bouclier divin, c'est-à-dire qu'à la première fois que tu attaques, ça ne, il ne se passe rien. Ensuite, elle a provocation, donc tu peux pas attaquer mon héros pour, tant qu'elle est là. Et quand elle meurt, en plus, elle me donne une arme. Chaque héros peut avoir une arme qui attaque 5 pendant 3 tours. Et là, il me silence. C'est le détruit ou pas? Oui, bah, ça marche. Sûr, mais t'as pioché. J'ai pioché. Mais t'as pioché. Mais non. Là, cette carte, elle est assez ouf. Et en fait, Ragnaros s'appelle, si c'est quelqu'un de pesé. Ça enlève 8 points de dégâts de manière aléatoire dans les à n'importe qui, à la fin du tour. Et là, on va faire un truc assez rigolo. Non. Oh! Désolé de ne pas avoir le temps de m'amuser. C'est là que je suis très très mal. Oh merde, j'aurais pas dû poser! Bon, en fait, la carte que je viens de poser, quand elle meurt, elle, récupère un serviteur. Et bien sûr, comme un gros con. Ah, je déteste Sylvanas. Et comme un gros con, j'ai posé un petit recrue de la main d'argent. Ce qui fait qu'en fait, je réduis mes chances. Bon, est-ce qu'on la joue fun? On va la jouer fun, on va la jouer hasard. Et pitié, Ragnaros ne tue pas Sylvanas pour le moment. En fait, attention! J'hallucine. Mais surtout, qui tu vas récupérer en fait, c'est ça? Parce qu'en fait, du coup, quand son serviteur va mourir là, il va récupérer l'un des trois qui sont à moi. J'en ai pris un. Voilà, pour diminuer les chances. Une chance sur deux d'avoir le mauvais. Tu veux Ragnaros, c'est ça? Tu veux Ragnaros? Attention. Attention. Oh, oh putain, je suis dans une merde noire. C'est chaud pour moi, on y va. Je pose tous mes petits... Ah non, mais là, mec, c'est fini pour moi. Sur 4 cartes, j'en ai 3 et des pièces détachées. Ça, ce combo de... Sylvana, c'est magnifique. Je vois John derrière l'écran qui est là. Oh là là. C'est chaud, mec. Je vous explique un truc de ouf. C'est que là, celle qui va détruire, on peut pas lui jeter de sort. On peut rien lui faire. Donc, il est obligé de l'attaquer. Non seulement il y a des provocations. J'ai pas trop le choix des choses. Mon Ragnaros ne peut pas attaquer. J'avais chier. Ah, il t'enlève quoi? Ah, c'est tendu, hein. Alors moi, je peux poser du coup un petit... Hop. Oh, putain. Ah ouais. Alors, ou Ragnaros va attaquer son héros ou son serviteur? Son serviteur. Ah, bah oui, ça c'est ce qu'il fallait. Hein. J'aime bien la jouer un peu. Ça, c'est typiquement le genre de carte de druide. Soit ça lui donne plus un attaque ou plus un PV. C'est infernal. Mais je suis décédé en fait dans tous les cas, mec. Je l'avais carrément oublié. Bon, pour la beauté. Donc lui, je vais lui donner un PV. Comme ça, il sert bien à rien parce qu'il a provoqué. Attends, je comprends pas. Et ensuite, je lui renvoie dans la main. Ah oui, alors camouflage. Et là, j'attaque lui. Et il renvoie dans sa main, donc... Bah ouais, mais du coup, il est bien dans ma main maintenant. Et on peut faire un truc que j'aime bien, c'est que j'enlève son serviteur, du coup, Ragnaros qui enlève 8 points, 8 PV à n'importe quel personnage. Ouais. Juste que Ragnaros explose, et là... Ah, la vilaine boule de feu. Bien joué. Bien joué. C'était beau, il y a eu des trucs jolis, je trouve. Maintenant, cette partie n'avait aucune valeur. En plus, j'ai gagné une carte. Grâce à Cyprien, j'ai gagné une carte. Voilà. Wow. Donc, je ne regrette pas d'avoir fait cette partie. Là, c'est la vraie game, c'est ça? Le choc des titans, je sais que tu vas utiliser ton guerrier. Mon guerrier. Et toi, ton mage? Moi, j'utilise mon mage. Un début plutôt sympa. Ah, pas moi. Putain, pas moi. J'ai un début avec mon gars. Non, mais même ce que je pioche là, c'est nul. J'ai un début plutôt sympa. Ah, je suis mal barré. J'ai fait le pire tirage de la planète. J'ai un mecha qui. Du coup, mes autres mechas. Coûte un cristal de moins, je vais le poser immédiatement. Il n'y a qu'une carte qui pourrait me sauver. Du coup, mes mechas à un mana me coûtent 0. Enfin, du coup, tu vas faire un... Oui, voilà, très bien. Tour 1, je me retrouve avec 3 serviteurs, ce qui est plutôt pas mal. Oh, il a pioché le combo, mon gars. Il a pioché le combo. Serviteur. Voilà. Alors moi, mon pouvoir héroïque, c'est d'enlever un PV. Moi, je vais me défendre comme je peux, mais c'est un peu moyen. Non, mais je suis mal parce qu'il a eu le combo tour 1. Eh, c'est incroyable cette carte mecha là. Alors, est-ce que je vais piocher un truc qui coûte 28 cristaux? Bah, je ne peux rien faire, mon gars. Mais non. Bah, si. En vrai, on dit ça, mais au début, rien écoute. Donc là, comme j'ai un mecha posé. 4-4. Non, mais je connais très bien mon deck. Mec, j'ai juste pioché tous les légendaires de mon deck. Putain, je vais me prendre 6 dans la gueule, ça va faire très beau. Ah, là, mec. Donc là, je vais confère provocation avec une de mes pièces détachées. Ah, tu peux trop faire, hein, mon gars. On a 30 cartes et parfois les cartes du début, elles sont vraiment à la fin du deck. Ah là, non, juste mec, tout au bout. Alors, Cyprien possède le tour. Donc, il en a pas assez mis. Ah, il y a une carte qui pourrait me sauver et si je la pioche, on va tous être très 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 fort. Non! Et en fait, baston, tu l'as? J'ai dans mon deck. Et en fait, ça fait que ça supprime tous les serviteurs de la table, sauf un aléatoirement. Ah, mais tu vas pas faire ça quand même. Bah, si je la pioche, je vais pas me tuer. Tu l'as pas dans ta main? Non, non, bah non!
Non, touche pas. Ah. Tu peux souffler. Il a trop l'impression, il est en apnée, je l'ai pas, mec. Non, tu peux bien me faire un moins 14. J'en ai qu'une, hein. Je l'ai pas en deux, hein. J'ai une, hein. Mais par contre, si je l'ai, c'est magnifique. Je joue pas la sécu, hein. Là, mec. Bon, mais une chance sur un top, ce serait trop beau. Ce serait trop beau. Putain, mais j'ai pioché tout ce qu'il faut pas, je suis dégoûté, mec. J'ai juste envie de faire une putain de revanche, quoi. C'est horrible. J'ai un serviteur, quand il y a des mechas posés, il envoie 4 points de dégâts un peu n'importe où. Les bombes, en fait, quand tu les attaques, elles enlèvent entre 1 et 15 points de dégâts à n'importe qui. Tout est aléatoire, là. Attention, c'est parti. Une bombe. Mais de toute façon, tour 1, t'as ton combo. Juste, c'est et là, compliqué, quoi. Je peux faire camouflage juste au cas où tu revis. Si jamais t'as... Si jamais je revis. Si jamais tu réussis. Mais tu peux revivre. Et... Ah, c'est la fin, là, putain. Voilà, c'était finalement Hearthstone. Avec l'extension Goblin vs Gnome. Donc, on vous rappelle, ce que vous venez de voir, c'est un jeu de cartes gratuit par Blizzard, un free-to-play. Exactement. Donc, vous pouvez l'installer sur depuis peu sur Android, comme on vous l'a dit, PC, Mac, iPad. Et iPad, ouais. Voilà, et bientôt sur mobile. La légende raconte que très bientôt, ça arrivera sur mobile. La légende. Voilà. Et donc, alors, très bientôt, on vous fait gagner encore plus. Ceci, c'est la tablette Nvidia Shield. Exactement. Qui est juste derrière. Donc, c'est un peu la tablette des gamers. En c'est plus, ça. On peut jouer en Wi-Fi sur de son PC. C'est un truc assez de ouf. C'est et avec ça. La manette qui va avec pour être vachement bien cousin. Et celle-ci, en plus, elle est aux couleurs de Goblin versus Gnome. C'est ça, c'est pas beau quand même. Pour cela, pour la gagner, pour gagner ceci, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Exactement. Révolutionnaire. Merci d'avoir suivi. Merci. C'était notre revanche. C'était ultime. Notre concentration à son apogée. À son apogée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je crois que ça va pas être la dernière vidéo sur ce. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Non, la compétition. À bientôt. Et on accueille Ken Kojandi. Pouya. Ça va? Vous avez été défié par Ken Kojandi, acceptez-vous ce défi? Oui!